Alors, bonjour, bienvenue à cet appel Business avec MK. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'essentialisme. L'essentialisme, lorsque je préparais cet appel, en fait, je regardais un peu la définition sur Internet. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les définitions. Et évidemment que c'était vraiment pas ce que je m'attendais. Parce que dans ma tête, l'essentialisme, c'est surtout par rapport au livre que j'avais lu de Greg McKeown. Puis, j'avais pas vraiment d'idée que c'était plutôt un courant philosophique et tout ça. Donc, quand je me suis mis à retravailler un peu le contenu, en fait, à me remettre un peu dans le contexte, j'ai fait. Parce que, tu sais, des fois, je décide mes contenus à l'avance, mais le contenu, je le crée vraiment avant. Je veux dire, c'était pas déjà créé. Donc, je l'ai créé cette semaine. Et ce que je me suis dit, c'est. Qu'est-ce qu'on a besoin de se rappeler? En fait, je ne vous parle même pas de la description philosophique parce que ça n'a rien à voir avec ce que je veux vous parler finalement. Mais ça a plutôt à voir avec comment rester à l'essentiel, comment focusser sur l'essentiel, mais vraiment dans votre entreprise doTERRA. Et comment est-ce que, en focusant sur l'essentiel, donc vraiment sur la chose que vous devez faire pour atteindre vos objectifs, vous allez vous faciliter la vie et vous allez évidemment atteindre vos objectifs et vos résultats beaucoup plus rapidement et beaucoup plus sainement. Alors, premièrement, est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez lu le livre L'essentialisme? Essentialism, je pense que ça s'appelle comme ça en français aussi, l'essentialisme. Non. Non, est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont lu? Comme ça, sinon ça risque d'être un peu redondant là, si vous l'avez lu. Parce que en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des notes du livre et c'est ce que je vais vous repartager à la sauce doTERRA. Alors, première des choses, qu'est-ce qui est selon vous, si je vous dis pourquoi est-ce que c'est important de focusser sur l'essentiel dans votre business doTERRA? Peut-être juste partager quelques petites idées dans le chat que je vais relire à voix haute. Donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant ou ça serait pertinent de voir l'idée justement de pourquoi est-ce que je focuserais sur une seule chose pour ma business? Et quelles seraient ces choses-là, selon vous, pour travailler ce qui est vraiment important, exactement? Quand on s'éparpille, on perd du temps et de l'énergie, après on dit que ça ne marche pas, exactement. Moins de risque de s'égarer pour être plus efficace, pour gagner du temps et de l'énergie. Éviter l'éparpillement, exactement. Focus, momentum, pipes, chronophage. Chronophage. Lisa, peux-tu... déployer un peu plus d'informations à ce niveau. Rester focus, exactement. Donc, on évite l'éparpillement. On ne va pas s'enfarger dans des détails qui ne feront absolument pas vraiment de différence ultimement. Donc, évidemment que, bon, vous me connaissez, je pense, depuis quand même quelques mois, quelques années pour certains. Je suis une personne qui est très focus sur ce qui est important pour le succès de mon travail. Et ce que j'ai appris à faire avant même de tomber dans la théorie de l'essentialisme. Ah oui, chronophage, c'est grugeur de temps, merci. C'est ça, c'est que j'essaie de me dire à chaque fois, est-ce que cette activité, est-ce que ce que je suis en train de faire est relié à mon objectif? Donc, première des choses avant même de tomber dans la théorie des règles de l'essentialisme, c'est de prendre en note, premièrement, quel est mon objectif réel et concret présentement avec ma business doTERRA. Donc, je vous invite à le faire et si vous avez envie de le partager, de l'écrire également. Quel est mon objectif réel, concret? Qu'est-ce que je veux faire? Quel est l'objectif? Disons là, qu'on est le 20 mai. Disons qu'on y va juste avec ce mois-ci. Donc, est-ce que c'est d'être silver? Est-ce que c'est d'être gold? Est-ce que c'est d'être élite? Est-ce que c'est de faire mon fort de 3,250? Qu'est-ce que c'est? Et un objectif, évidemment, qu'on veut qu'il soit mesurable, concret. On peut faire un check à la fin pour dire oui, absolument, c'est bien arrivé ou ce n'est pas bien arrivé. Donc, si vous avez envie de partager cette information dans le chat, je vous invite à le faire. Viens voir. Voilà.
Est-ce qu'il y en a qui ont envie de partager? Pouvoir de 3 de 250 pour Catherine, pouvoir de 3 de Myriane. Myriane, c'est lequel? Le 250 ou le 1500? Première avec bonus de 250 pour Marie-Ève. PO3 de 250, le 50 $ pour Myriane, le rang de première, excellent. Donc, c'est tout est clair. Silver en septembre pour une autre personne. Puis disons qu'on reste en ce mois-ci. Là. Disons qu'on est vraiment au mois de mai parce qu'il nous reste 11 jours pour la fin du mois. Donc, on est comme basiquement. Basically, on est au milieu du mois. Donc, ici, on a quelqu'un qui m'écrit « Augmenter mes OV élites en vue de première ». Alors, moi, Sylvie, je vais t'inviter à dire combien de OV. C'est-à-dire, il te reste combien pour en vue de première. Donc, tu veux atteindre 3500 ou tu veux atteindre 4000. Il faut vraiment que ça soit clair pour pouvoir attacher ton objectif à tout ce que tu vas faire. Pouvoir de 3 de 250, atteindre le rang de goal en septembre, signer 30 personnes d'ici août. Excellent. Donc, et pour le mois de mai, Sandra, c'est quoi? Pour le 30 mai, pour le 31 mai, qu'est-ce que tu as vraiment de concret? Vraiment concret. Donc, oui, ça, c'est ton objectif pour le mois de septembre. Donc, en date pour le 30 mai, tu as besoin de quoi? Pour le 31, avoir signé 7 personnes. Excellent. 2000 PV à trouver. C'est super concret. C'est excellent. Donc, maintenant, avec ça, ce qu'on peut faire, c'est carrément, moi, ce que je ferais si j'étais vous, vu que c'est vraiment clair, il y a un nombre de PV, il y a, il y a un objectif qui est clair. Je l'écris, moi, cet objectif-là. Donc, exemple, si moi, il me manque 6000 PV à aller chercher pour solidifier mon Presidential Diamond, j'écris 6000 PV pour mon Presidential Diamond. Donc, ça, c'est vraiment mon concept focus super, super clair. Donc, à chaque fois que je fais une activité, peu importe ce qu'elle est, qui est dans mon cadre d'Otera, je me demande, est-ce que cette activité me rapproche de mon objectif, oui ou non? Si la réponse est non, ça veut dire qu'elle n'en vaut pas la peine pour le moment. Vous la laissez sur une feuille. Vous pouvez travailler avec des différentes couleurs de feuilles. Donc, il y a des listes de to-do. Il y a un livre que j'avais lu à l'époque, ça s'appelait Thought Leaders. Et on parle de projets, on parle d'idées, etc. Puis il disait, prenez des feuilles de couleur. Exemple, la feuille de couleur verte, c'est pour toutes vos idées. Toutes les idées, peu importe lesquelles elles sont, vous mettez vos idées là-dessus. Maintenant, la liste de to-do, vous pourriez avoir une liste de to-do personnelle, une liste de to-do business, une liste de to-do familiale, etc. Donc, vraiment, tout cadré. Et bien sûr, avoir une liste de priorités. Maintenant, votre liste pour faire d'Otera, vous le savez, c'est quoi les pipes, qu'est-ce qu'on a à faire et pour rester vraiment focus sur sur vos actions et sur votre objectif. Donc là, moi, j'ai mon 6000 PV pour aller chercher à Presidential Diamond. Est-ce que chacune des actions que je fais présentement est dirigée à cela? Si la réponse est non, je fais quoi? Out. C'est tout, ça finit là. Maintenant, je vais tomber dans les règles de l'essentialisme selon le livre, mais évidemment que prenez-en et laissez-en aussi aller. Là, je veux dire, on a le droit d'avoir une balance dans la vie. J'en ai une. Je ne suis pas parfaite. Bien au contraire, je fais encore. Je dois vous avouer que d'être en voyage, d'être avec mes 4 enfants à temps plein, là, je les ai envoyés au parc, là, mais c'est quand même challengeant d'avoir une discipline, d'avoir une routine. Pas une discipline, mais d'avoir une routine, je vous dirais. C'est très, très, très challengeant. Donc, c'est encore plus important pour moi. D'être capable de dire non à plein de choses parce que je me dis, OK, bien là, je pourrais faire telle chose. Ouais, mais est-ce que ça me rapproche de mon objectif? Non. Out. Je me suis fait demander ce matin, est-ce que tu accepterais de parler à une conférence, pour une autre équipe? Non. Non, ça ne me rapproche pas, moi, de mes objectifs pour aider mon équipe. Donc, dès que ça ne me rapproche pas de mes objectifs, maintenant, j'apprends à dire non. D'ailleurs, c'est un des points de l'essentialisme. Donc, je tombe dans la définition au niveau du livre. L'idée de l'essentialisme est de choisir en conscience peu d'activités, peu d'opportunités, mais identifier celles qui ont le plus de sens pour soi et choisir de les faire bien en prenant le temps. Donc, si on adapte cela à notre business d'Otera, ça dit de choisir en conscience peu d'activités, peu d'opportunités. Parce que des opportunités, ça peut être des opportunités d'affaires, ça peut être des opportunités d'aller voir des amis, de faire un souper avec maman, papa, ça peut être d'aller
d'aller se promener en bateau, d'aller se promener en montagne. Mais lorsqu'on a un objectif à faire, si on ne l'a pas déjà atteint, il faut avoir le réflexe, même si c'est très difficile, de dire non, parce que je dis oui à mes objectifs, à mes rêves, mais les autres ne sont pas au courant. Et j'y arrive un petit peu plus tard là-dedans. Donc, ça explique aussi dans quel... En fait, je vais vous le dire parce que je trouve ça vraiment bon, puis je ne vais pas filtrer. Dans quel domaine puis-je avoir le plus d'impact et la meilleure contribution? Comme nous sommes chaque jour tentés par de multiples options, le choix de l'essentialisme doit se réaffirmer chaque jour, notamment face aux personnes qui choisissent un mode de vie différent, comme nous. Hein? Il faut parvenir à être intentionnel avec ses essentiels. Est-ce essentiel pour vous d'aller à un after work 3 fois par semaine? Est-ce essentiel de pratiquer une activité sportive? Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que c'est votre santé mentale. Bon, encore une fois, comme je disais, faites la balance. Est-ce essentiel de regarder cette série? Donc, la télévision le soir, est-ce que c'est essentiel ou tu pourrais te former sur des produits doTERRA, par exemple? Qu'est-ce qui te rapprocherait le plus de ton objectif? Que souhaitez-vous investir pleinement en termes de vie familiale, professionnelle, sociale, spirituelle, créative et autres? Il faut vraiment être clair dans ce qu'on fait. Maintenant, puisque de tout faire est impossible, l'essentialisme recommande d'identifier ce à quoi vous voulez faire de la place en priorité dans votre existence en ce moment. Parce qu'en ce moment, vous vivez une période de création d'entreprise, fort possiblement, ou de continuation de création de momentum. Éventuellement, vous serez ailleurs. Vous serez probablement dans la stabilisation. Vous serez plus peut-être dans la création de votre momentum, mais vraiment dans la structure, dans le maintien de tout ça. Donc, vos activités vont être carrément différentes. Donc, à l'encontre de nombreuses injonctions sociales, l'essentialisme met à mal la logique de performance qui nous anime souvent. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que on vit dans un monde social, on vit dans un monde où est-ce que ben, la vie sociale, et je le vois beaucoup, hein, beaucoup plus en Europe qu'au Québec, la vie sociale, justement, les after work, tu sais, aller après le travail, aller prendre un café, aller prendre un verre, ta-ta-ta, la vie sociale est super importante. Donc, d'apprendre à dire non, malgré le fait qu'on sait clairement qu'on va se faire juger, c'est un challenge. Mais il faut savoir clairement pourquoi est-ce que tu dis non. Je dis non parce que je dis oui à autre chose. Donc, moi, quand j'ai commencé à faire doTERRA, j'ai dit non à 1 million de millions. Peut-être pas 1 million, là, on s'entend, j'exagère souvent sur les chiffres comme ça, mais à vraiment beaucoup de soirées, de parties, de soupers. Et je leur disais, regardez, pendant 1 an de temps, je ne serai pas disponible. Donc, contactez-moi, on va se donner des nouvelles par Messenger, mais je ne serai pas disponible pour la vie sociale parce que je suis vraiment en train de bâtir une business. Puis pour moi, c'est ça ma priorité présentement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, mes amis, quand je leur ai dit clairement? Ben, ils m'ont félicité, puis ils m'ont accompagné, puis ils prenaient de mes nouvelles. Comment est-ce que ça va? Comment est-ce que ça va, Marie? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour t'aider? Donc, mettez simplement le cadre clair avec vos amis, votre famille. Je suis désolée, je sais que ça fait bizarre, mais regarde, présentement, je crois vraiment à mon entreprise, puis c'est vraiment ça ma priorité. Donc, apprenez à le dire. Je ne sais pas dans les commentaires si vous pouvez dire si vous avez déjà eu besoin de mettre un cadre avec vos amis, avec votre famille, pour dire, ben ouais, pendant cette prochaine année, ben, je vais malheureusement dire non à quelques trucs parce que ben, je suis entrepreneur, donc je suis responsable de mes résultats. Yes, oui, souvent, il faut le répéter, absolument. Même encore aujourd'hui. Oui, parce que tu as raison, Stéphanie, tu sais, comme... Moi, j'ai malheureusement pas beaucoup de temps pour faire des voyages de plaisance, disons, ou de « Ah, on va-tu là-bas? Je me fais inviter. Hey, est-ce qu'on va à telle place? » Bon, cette année, c'est un peu différent. Je vais en Asie, qui est carrément de plaisance, ça n'a rien à voir avec la business. Bon, c'est une année que j'avais décidé qu'elle allait être comme ça. Cependant, si je regarde mon année prochaine, à chaque mois, j'ai quelque chose. Il n'y a aucune place dans ma vie pour... présentement pour créer de nouvelles amitiés, de nouveaux spectres en fait dans ma vie parce que ma vie à partir de disons de septembre à chaque mois j'ai 1 semaine de déplacement où est-ce que je vais être vraiment strictement avec l'équipe. Donc pourquoi? Bien, parce que c'est ma priorité. Et donc mes actions doivent être alignées avec mes priorités. Ben non, je n'irai pas faire de pique-nique avec mes amis à Québec, fort possiblement pas, parce que je vais faire un pique-nique avec des gens de mon équipe.
qui sont aussi mes amis, heureusement. Donc, mais tu sais, je parle des amis à l'extérieur de doTERRA. Donc, heureusement qu'avec doTERRA, on crée une famille puis on bâtit des relations fortes. Je viens de voir justement un post sur Instagram d'une fille qui a écrit, elle dit, je pensais jamais qu'à 40 ans, je me ferais des amitiés aussi extraordinaires. Puis, je pense que de faire partie de cette grande famille de doTERRA-là, c'est ça que ça nous apporte, des amitiés que jamais on aurait connues. Puis c'est avec eux que j'ai envie de passer du temps, mes amis doTERRA, mes frontline, tout le monde. T'sais, c'est vraiment avec eux que j'ai envie parce qu'on partage le même genre de vie. Bref, je tombe donc dans la règle numéro 1 de l'essentialisme. Est-ce qu'à date, ça vous parle? Est-ce que vous pouvez faire peut-être un 1 si à date, ça va? Je vais me prendre une petite gorgée de collagène. OK, super. Bon, toujours essayer de tenter d'être pertinente et surtout de cacher la lumière qui est là. Au moins, ce n'est pas le soir comme au Mexique. Donc, règle numéro 1, définissez ce qui est essentiel. Donc, prenez votre cahier de notes. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Donc, on retombe dans votre objectif qui est clair. Restez au niveau du mois de mai 2023. Donc, au 31 mai 2023, je suis ou j'ai atteint ou etc. Quel est l'objectif clair? Et là, je parle juste de doTERRA. Là. Je ne parle pas de « je veux perdre 5 livres »,« je veux avoir lu 3 livres », ta, 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 ta. Non, je parle de « qu'est-ce qui est essentiel dans votre business doTERRA ?» OK, on le limite là. Donc, ça, c'est votre règle numéro 1. Donc, ça, c'est en fonction de votre réponse au numéro 1, le reste va découler parce que tout va être lié par rapport à votre objectif numéro 1. L'essentialisme numéro 2, faites de la place dans votre vie. Donc ça, c'est la règle numéro 2. Je ne vous lis pas tout ce que j'ai écrit, mais ça dit, faites de la place dans votre vie. Ça veut dire que, en fait, les gens ne prennent pas assez le temps de prendre le temps de réfléchir. Tu sais, je vous parle tout le temps de journaling, de prendre le temps d'écrire, de prendre des pauses. De ne pas attendre d'être brûlé pour prendre des pauses. Et ça, c'est une règle que les athlètes connaissent. Hein? Donc, il y en a qui vont s'entraîner 6 jours. Le dimanche, on se repose. Il y en a que c'est le mercredi. Il y en a que c'est le mercredi et samedi qui se reposent au niveau physique. Mais on ne peut pas toujours être en mode performance. On doit prendre des moments de repos. Donc, si vous, votre horaire, c'est du lundi au vendredi pour doTERRA, bien, le samedi, dimanche, vous vous reposez et ça s'arrête là. Donc, il faut des moments de repos pour ne pas exploser à la fin. Il y en a qui prennent une semaine par mois de congé. Il y en a qui vont prendre 2 jours par semaine. Il y en a qui prennent 2 après-midi par semaine et 1 journée la fin de semaine. Moi, j'ai fait ça longtemps et j'ai adoré ça. J'avais le mardi après-midi, jeudi après-midi, c'était à moi, de moi. Donc, je ne dérangeais pas vraiment ma vie de travail, ma vie familiale. Et le dimanche, j'étais en congé, mais le samedi, je travaillais. Ou c'était focusé sur ma business doTERRA ou le dimanche, vice-versa. Où est-ce que j'étais, c'est qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter. On prend une semaine de vacances aux 4 mois. Non, ça ne sert à rien, les semaines de vacances. Excusez-moi, là, ça ne sert à rien, les semaines de vacances. Vous allez être plus stressé. Ça peut arriver en pleine fin de mois, ça peut arriver en pleine période de commission, ça peut arriver en plein début de mois. Là, vous allez vous sentir coupable. Vous allez ici parce que vous n'êtes pas avec votre équipe, vous ne faites pas votre appel d'équipe. Là, vous n'êtes pas en train de faire vos suivis clients. Ta. Prenez plein de pauses. Prenez-en plein. Des pauses sont nécessaires pour voir clair, OK? Et on a une meilleure perspective également lorsqu'on nettoie nos lunettes. Et pour cela, il faut arrêter d'être devant notre ordinateur, devant notre téléphone. Il faut être devant notre cahier de notes vide avec un crayon et laisser aller toutes nos idées. Et c'est comme ça qu'on va être clair. Moi, je demande toujours d'être guidée sur ce que j'ai besoin de faire. Toujours, toujours, toujours. Et si je ne sais pas ce que j'ai à faire, si je suis un peu perdue, parce que moi aussi, des fois, ça m'arrive, je retourne vers quoi? Mon objectif numéro 1. Où est-ce que je m'en allais là? Parce que là, je suis complètement perdue. Puis oui, ça m'arrive des fois. Surtout en ce moment, notre voyage va vraiment, vraiment, vraiment super bien. Mais j'avoue que par le manque de temps, je dois être tellement précise, laser précise sur toutes mes actions que c'est difficile en fait de les choisir. Puis tu sais, la ligne est mince entre qu'est-ce qui est vraiment important pour moi et qu'est-ce qui l'est un peu moins que je peux remettre là. Comprenez? Donc, voilà, comme de faire le business avec MK aujourd'hui, ça fait partie des priorités parce que ça fait partie de mon engagement également envers mon équipe.
de donner des enseignements et d'être là. Et aussi de ne pas avoir d'excuses, tout simplement. Bon, je suis en retard d'une heure, mais ça va. Alors, on va prendre du recul pour gagner en clarté, gagner en perspective. Et on se rend compte par le fait même qu'on perd du temps à faire des choses qui sont complètement inutiles et qui sont bouffeuses de temps, chronophages, comme j'ai appris tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire présentement dans votre horaire? Donc, je vous invite à regarder quel est le moment où est-ce que vous pourriez faire du temps. Puis je ne vous dis pas de faire du temps pour faire du marketing, pour faire des contacts. Non, pour prendre une pause. Être dans la nature pendant minimum 3 heures. La pause, là, est de minimum 3 heures sans appareil. Pas de téléphone, pas rien pour vous distraire. Une pause pour vous connecter. Puis pas de dormir. Ça ne sert à rien de dormir. Dormez la nuit, couchez-vous tôt. Une pause, on marche, ou je journaligne, ou je journale, ou les deux ensemble. Donc, quelle est la partie dans votre horaire? Donc, ça, c'est un de vos devoirs à faire, de trouver. Est-ce que c'est le mardi après-midi qui fonctionne pour vous? Est-ce que c'est le mercredi matin? Qu'est-ce qui fonctionne pour vous dans votre vie, dans votre réalité? Pour ma réalité, moi, présentement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de pause pour moi. La pause sera à partir du 10 juin pour 2 semaines. Où est-ce que je n'aurai pas d'enfant pendant 2 semaines de temps, pendant un magnifique voyage? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bien, pour éviter la spirale du quotidien, hein, par les millions de choses qui vont apparaître sur votre téléphone et personnes que vous allez mettre en priorité avant de vous mettre en priorité, parce que c'est facile de garder notre téléphone à côté puis se rendre occupé. Hein. Ben oui, mais je suis occupée, je réponds à tout le monde. Je sais exactement comment vous vous sentez si vous vous sentez comme ça, parce que je le fais moi aussi, malgré moi. Donc, quand je suis dans un mode disponible, si vous saviez le temps ou comment je peux me rendre occupée sur mon téléphone parce que je fais des suivis, je fais ci, bon pour les immeubles, bon pour là, mon gestionnaire d'immeubles, bon pour les paiements, bon pour les banques, pour l'avocat, ta. Si je prends mon téléphone, je vous garantis que je suis occupée. Puis je peux être occupée pendant 8 heures de temps sur mon téléphone et je n'aurai fait aucune action payante pour ma business. Je vais avoir administré mes entreprises, mais je n'aurai rien fait de concret qui va produire quelque chose de génial. Je vous parle par expérience. Je l'ai fait et ça m'arrive encore de le faire. Peut-être pas 8 heures de temps, mais je peux être pris 2 heures à faire de l'administration parce que je suis occupée et c'est facile pour moi d'être sur mon téléphone. Donc, je vous comprends. Ça nous arrive tout le monde, d'accord? Et c'est difficile de dire, attends, est-ce que ceci est vraiment en train de m'aider à me rapprocher? Donc, dans ce temps-là, j'essaie de faire un wouh! OK, Marie, là, tu es complètement dans le champ, tu es en train de te perdre. C'est même pas de la procrastination. Ben, en fait, c'est une forme de procrastination. Parce qu'on se rend occupé, puis tout ce que je fais vaut quelque chose, parce que si je ne le fais pas, il n'y a personne d'autre qui va le faire. On s'entend? Mais si je mets mon téléphone plus loin lorsque je suis en mode de création ou en mode dans mon bloc de temps, mais mon bloc de temps, c'est doTERRA, c'est s'occuper de mon équipe, c'est faire du marketing, c'est gérer ci, gérer ça, ben, à ce moment-là, il faut que je mette mon téléphone ailleurs. À moins que je l'utilise pour faire des appels. Mais il faut que je me mette en mode ne pas déranger. Si je ne me mets pas en mode ne pas déranger, je vous garantis que l'essentialisme prend le bord. Donc, conseil pour vous, je vous parle de façon personnelle. Essentialisme numéro 3, concentrez-vous sur le peu de choses vitales. Donc, je retourne à faire des to-do lists. Hein. On est bon de faire plein de to-do lists. Moi, je suis la première bonne à faire des to-do lists. Je suis une achiever. C'est dans mon top 5 des forces Gallup. J'adore faire des to-do. J'ai la to-do pour la maison X, maison Y, maison Z, maison X. J'ai mes to-do par liste. J'ai mes to-do par employé. Mes to-do par pays. Ça va? Non, ça n'arrête plus. Là. J'ai des to-do par enfant. J'ai plein de choses à faire, OK? Mais j'ai aussi une to-do de priorité. À tous les jours, quelle est la priorité de la journée? Parce que tout le reste, c'est toutes des choses que, anyway, il va falloir que je fasse, mais ce ne sont pas des priorités. To-do list papier, oui, c'est super le fun, les to-do list papier. Évidemment que j'ai 4 livres présentement avec moi. Cependant, je suis en train de travailler pour... J'ai des notes. Vu que je voyage, j'essaie de tout libérer, toutes mes notes au complet pour les mettre dans un cahier de notes... Je ne vous le montrerai pas, là, mais c'est comme dans « Notes » ici. Donc, j'y vais ici, puis j'ai « Notes Mariana ». Donc, dès que j'ai une idée, ouf, je vais là, tac, dans le « To-do Mariana ». Dans le fond, c'est des listes par personne, par projet.
par employé. Si je vous dis, c'est comme ça. Sinon, puis là, quand je coche, ben, je coche là-dessus. Fait qu'au moins, c'est autant satisfaisant que de le faire sur papier. Surtout quand tu voyages, ben, au moins, c'est là. Puis n'importe où, ben, j'ai accès à ces notes-là. Et c'est dans un cloud aussi, donc si c'est plus facile d'accès. Donc, quelle est vraiment votre priorité? Parce que oui, d'inscrire votre enfant au camp de vacances cet été, ça fait partie des choses à faire, mais ce n'est absolument pas une priorité. C'est juste quelque chose à faire. Donc, on ne le passe pas en priorité. Ça n'a absolument rien à voir avec vos objectifs. Essentialisme numéro 4, dites non plus souvent. Et celui-là, c'est mon préféré. Parce qu'évidemment que c'est facile de dire oui, parce qu'on a envie de se faire plaisir, on a envie de vivre, on a envie de. Et s'il vous plaît, oui, vivez. Et s'il vous plaît, dites oui à plein de choses aussi. Mais si vous êtes en mode, je dois atteindre mes objectifs parce que je me suis engagée, parce que X, parce que Y et Z, ben alors vous devez également dire non. Ça veut dire peut-être dire oui à moitié sur quelque chose, mais dire non plus souvent va être évidemment beaucoup plus efficace pour votre atteinte d'objectifs. Je vais également lire un petit morceau. On dit oui parce qu'on veut bien faire. Hein? On dit oui parce que ben, c'est socialement beaucoup plus accepté. On veut aider les autres, on ne veut pas vexer. Le problème, c'est quand on dit oui tout le temps, mais on finit par s'engager dans beaucoup trop de choses. On avance dans plein de petites tâches, plein de petits projets, mais on accélère sur rien. On ne crée pas de momentum dans rien et we don't get shit done, basically. Dans le fond, c'est comme ça que je dirais en anglais. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand on fait ça, on dit oui à plein de monde. Mais on finit quand même pas ce qu'on s'est engagé à faire parce que justement, on a trop pris de projets. Donc, on ne voulait pas vexer les autres, donc on a dit oui, mais finalement, on les vexe quand même parce qu'on ne fait pas la job. Donc, tant qu'à ça, est-ce qu'on pourrait peut-être juste dire non? Et comment dire non? Ben, ça devient, vous allez devenir bon à dire non aux gens. Simplement, tu sais, comme moi, je dis vraiment souvent non. Je vais dire, tu sais, comme l'invitation que j'ai eue pour parler à une conférence, je suis désolée, je suis déjà engagée avec mon équipe. Je ne peux pas cette journée-là, je suis déjà engagée avec mon équipe. Est-ce que vous pouvez utiliser cette phrase-là? Ben oui, je suis déjà engagée avec mon équipe. C'est facilitant, j'ai une rencontre client, je ne peux pas malheureusement. Est-ce que tu peux venir sur tel appel? Je suis déjà prise cette journée-là. Si je considère que cet appel-là peut aider mon équipe, je vais le faire, je vais demander un enregistrement et je vais le partager. Il faut toujours que ça ait rapport avec mes objectifs. Parce que oui, je suis en mode service, mais je vais toujours prioriser mon équipe, l'équipe francophone, en fait, malgré que maintenant je travaille en anglais et en espagnol, là, mais pour la priorité, évidemment, c'est toute mon équipe qui est francophone. Donc, de dire non au début va être inconfortable, mais je vous invite à le faire le plus souvent possible et à voir finalement les gens survivre sans nous en passant. C'est un peu tannant, là, mais ouais, ils sont capables de se passer de nous. Puis, ben, on n'est pas indispensable au party. OK, donc peut-être que si vous voulez, vous êtes vraiment des sociales, là, puis vous avez vraiment envie d'être là à tous vos parties, bien peut-être juste leur dire je peux peut-être vous joindre pendant un petit 15 minutes, appelez-moi pendant le souper, puis je vais vous faire des coucous, whatever. Tu sais, ça pourrait être ça. Ça pourrait être une bonne idée à faire. Mais tu sais, sinon, sachez qu'ils vont tous survivre sans vous. C'est plate, mais c'est ça la vie. Alors, désolée de vous l'apprendre. Warren Buffett a déjà fait une quote, puis je vais la mettre dans le chat si vous voulez la mettre. Tout, 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 juste ici. Alors, c'est la différence entre les personnes qui ont du succès et les personnes qui ont beaucoup de succès, c'est que les personnes qui ont beaucoup de succès disent non à presque tout. Oh, eh oui. Parce qu'en disant non à presque tout, ils disent oui à leur méga projet. Et ils sont focus là-dessus, c'est ce méga projet-là, leur gros, 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 leur vache à lait, en fait, qui va leur produire leur masterpiece de vie ou leur gros revenu. Par exemple, vous allez avoir des opportunités lorsque vous allez faire doTERRA. Vous allez avoir des opportunités de faire d'autres marketing relationnels, de vendre d'autres produits, de joindre d'autres équipes de marketing relationnel. Peu importe, peut-être que vous allez aimer les produits. Moi, je vous dis, non seulement
on n'a pas le droit vraiment de développer dans le marketing relationnel. Vous pouvez consommer évidemment dans tous les marketing relationnels que vous voulez. Mais le danger là-dedans, c'est que dans aucun des deux, vous allez atteindre de gros rangs. Et c'est ça la vérité. Il n'y a personne au monde qui est capable de faire deux choses, deux marketing relationnels au complet parce que ça ne fonctionne pas, parce que c'est de la dilution de focus. Et vous pouvez réussir à fonctionner, à atteindre un certain niveau, mais jamais dans aucun des deux, vous allez pouvoir maintenir ou atteindre ou développer et atteindre de gigorants. Donc, ça, c'est un fait. On a vu des gens essayer de développer deux marketing relationnels, mais après ça, ils reviennent toujours à doTERRA parce que doTERRA, premièrement, c'est ma vache à lait. C'est celui-là qui est le plus payant. Donc, tous les efforts que j'ai mis dans l'autre marketing relationnel, bien, c'est tout du temps que j'ai perdu. Oui, il est extraordinaire, le produit. Disons que c'est un produit que vous aimez absolument. Mais tout le temps que vous avez mis dans l'autre produit, vous ne l'avez pas mis dans votre business. Donc, votre diamond, il est plus loin. Ou votre blue diamond, ou votre presidential diamond, ou si c'est votre silver, bien, c'est votre silver également. Donc, je vous le dis avec tout mon cœur. Si vous avez vraiment envie d'atteindre des rangs chez doTERRA, veuillez focusser sur une seule entreprise pour votre bien à vous. Sinon, vous faites juste reporter à plus tard. OK? C'est des mathématiques, là. C'est votre énergie qui va être diluée. Pour savoir dire non, on doit connaître nos priorités. Évidemment, on en a déjà parlé. Attendez-moi une seconde. J'avais écrit la demande en 30. Est-ce que la demande en 30, donc est-ce que la proposition en 30 est alignée avec mes priorités? Oui, j'accepte la demande. La demande en 30 n'est pas alignée avec mes priorités? Non, je refuse la demande, c'est tout. Et indexer nos décisions sur nos priorités rend le processus de décision beaucoup plus simple et efficace. C'est qu'après ça, on ne se sent même plus coupable de dire non parce que c'est juste pas aligné. Maintenant, il y a un principe de bloc que j'ai vu également dans le livre que dans notre... premièrement, on doit prendre conscience que notre temps est limité. Hein? Il y a 24 heures dans une journée. On dort en moyenne 7 à 8 heures par nuit. On dispose à peu près 1000 minutes dans la journée, soit 100 blocs de 10 minutes. On est d'accord. Fait que, tu sais, je ne sais pas si vous vous rappelez des réglettes au Québec. Là. On avait ça. Je ne sais pas si en France, on avait ça, mais c'était des réglettes. On avait des lignes vertes ou le carré bleu ou je ne me rappelle pas. Les unités étaient en rouge, quelque chose du genre. Donc, vous avez 100 blocs de 10 minutes. C'est tout ce que vous avez disponible. Donc, disons que je vous donne 100 blocs de 10 minutes. Qu'est-ce que vous voulez faire avec vos blocs? Vous voulez certainement les dépenser de la meilleure façon possible. Oui? Alors, qu'est-ce qui va te prendre 3 blocs, 6 blocs? Disons, là, tu dis, OK, bien là, j'ai écouté une série, ça m'a pris 6 blocs, ça m'a pris une heure. Finalement, j'en ai pris 2. Là, j'ai pris 6 fois 2, donc j'ai pris 12 blocs. Il m'en reste combien? Il m'en reste 88. Après ça, j'ai mangé pendant un autre 10 blocs. Il m'en reste 78. Après ça, j'ai joué avec mes enfants. J'ai repris un autre 30 blocs. Il m'en reste 48. Donc, finalement, il me reste combien de blocs pour développer ma business? Donc, la perte de temps qu'on peut faire quand on travaille avec les blocs peut être vraiment pertinent. Faites juste un si ça vous parle un peu cette technique-là. Je pourrais la développer pendant longtemps, là. Mais c'est pour qu'on prenne conscience que notre temps est limité. Puis à chaque jour, si on perd nos blocs, elles ne sont pas récupérables. On ne les récupère pas. Le temps, on ne le récupère jamais, là. Jamais, jamais, jamais. OK? Je suis bien placée pour en parler. Ce qui est passé est passé. Ça ne revient pas. Ça ne revient pas. Pantoute. Donc, si on prend conscience que de dire oui signifie allouer le peu de temps dont on dispose à quelque chose ou à quelqu'un, alors on réfléchira à deux fois avant d'accepter un projet ou une tâche. Donc, j'ai-tu des blocs? Il me reste-tu des blocs de lousse? À la limite, mettez-vous 10 blocs de lousse dans votre journée pour faire n'importe quoi. Mais maximum 10 blocs de lousse, vous comprenez? Donc, essayez de regarder comme ça. Bon, ça me prend 10 blocs, j'ai 10 blocs, j'ai 10 blocs. Ah, il ne m'en reste plus. Non, je suis désolée, il faut que je dise non. Ça marche? Essentialisme numéro 5. Prenez de l'élan. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous investissez sur une multitude de tâches, bien, vous dispersez votre énergie, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc, il est impossible d'être productif. Et
Pour que vos efforts fournissent de meilleurs résultats, vous devez canaliser votre énergie sur une seule chose. Donc, je répète un petit peu l'autre point d'avant. Le numéro 6, mon préféré, définissez des routines, ce qui est très challengeant pour moi présentement. Donc, pour adopter l'essentialisme au quotidien, vous devez définir des routines en fonction de ce qui est essentiel pour vous. Donc, faites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui est essentiel pour vous présentement dans votre entreprise? Et donc, quelle serait une routine? Donc, quelles sont les activités qui sont non négociables d'ici la fin du mois de mai pour vous de faire afin d'atteindre votre objectif? Bon, j'ai peut-être mis la phrase un peu à l'envers. Je vous laisse... Pardon. Donc, pour faire des ateliers. Parfait. Alors, sont quand les ateliers? À chaque jour, à chaque 2 jours, à chaque 3 jours, 2 par semaine, une le soir, une après-midi, le samedi matin, j'ai une opportunité d'affaires. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, je définis des routines. Pour moi, ce point-là, je le définirais comme je fais un horaire avec des blocs de temps. Le lundi est dédié à mon équipe. Marie-Ève, tu as écrit « Bouger 30 minutes par jour ». Absolument. Et ça, ça fait partie de votre santé mentale. On en a parlé dans le programme La ruée vers l'or également pendant quand même plusieurs appels. De bouger, de bien manger fait partie de votre routine, bien évidemment. Maintenant, dans vos tâches, c'est comme Stéphanie, tu dis, faire un agenda. Donc, vraiment d'avoir un cadre, de mettre vos blocs de temps. Ce n'est pas des blagues. Si vous, en tout cas, moi, sans bloc de temps, pour vrai, je m'éparpille, je vais n'importe où que je tombe dans mes to-do à l'infini. Puis ça me rend quasiment heureuse. Là. OK? Parce que je me sens productive d'avoir fait des listes. Hey, sérieusement. Là. OK? Mais non, mais c'est clair dans ma tête, j'ai mes listes de fait. Oui, mais tu n'as rien fait, Marie. Là. Donc, la routine, de définir des routines. En orientant vos habitudes vers ce qui est essentiel, vous concentrerez chaque jour sur ce qui compte vraiment. J'avais déjà fait une petite feuille d'étoiles que je vous avais déjà partagée, de faire des points là-dessus. Imaginez que, je ne sais pas si vous aimez l'application Duolingo, mais imaginez là, que vous gagnez des étoiles à chaque fois là, que vous faites une activité payante et que vous en perdez quand vous ne la faites pas. Comment est-ce que vous réagiriez avec votre temps, avec vos blocs de temps? Donc, si vous avez un bloc de temps de dédié à votre équipe, puis que finalement, votre équipe ben, ne se pointe pas à votre appel d'équipe, ben, un, posez-vous des questions, peut-être que ce n'est pas le bon horaire, peut-être que ça ne leur convient pas, etc., etc., bien évidemment. Mais sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus s'ils ne sont pas pointés à votre appel d'équipe? Peut-être écrire un courriel, peut-être faire une vidéo quand même, peut-être meubler ce temps-là par autre chose qui est super important et qui va également aller vers vos objectifs. Donc, on reste focus, mais on se met des blocs de temps. Si vous avez 15 heures par semaine dans doTERRA à faire, c'est super important d'être stratégique dans qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous mettez comme temps et où. Si vous avez 40 heures par semaine, danger, vous avez trop de temps. Et il y a plein de monde qui me disent ça. Marie, quand je suis à temps plein dans doTERRA, je n'étais pas capable, j'avais trop de temps. Fait que je me suis déconcentrée à faire plein de petites affaires, mais dans le fond, je ne faisais absolument rien. Il y en a qui sont plus actives, plus proactives à faire 20 heures par semaine dans doTERRA, dans le jus, dans le rush, à travers les enfants, puis une autre job que d'être à temps plein. Et ils ont plus d'action parce qu'ils sont focus grâce au bloc de temps. Donc, si c'est votre cas, je ne vous dis pas d'aller vous chercher un autre job, mais je vous dis de vraiment utiliser les blocs de temps. Numéro 7, passer du temps à explorer. Donc, ce qui veut dire que prenez le temps. Ce que Greg McNone recommande, c'est de mettre de temps en temps à profit pour explorer, c'est-à-dire pour prendre le temps de lire, se questionner, de penser, d'échanger, de développer des nouvelles compétences. En explorant, vous découvrirez de meilleures façons de faire les choses, vous vivrez de nouvelles expériences et stimulerez votre créativité. Sans compter qu'explorer favorise la plasticité mentale. Donc, question pour vous au niveau de l'essentialisme numéro 7. Quelle serait une nouvelle compétence intéressante que vous pourriez mettre dans votre agenda qui vous rapprocherait de votre priorité, de votre objectif? Peut-être que vous pourriez partager cette compétence-là à tous les participants. Quelle compétence vous pourriez développer qui peut vous aider à
à atteindre votre objectif. Quand je parle de compétences, comme moi, je suis en ce moment, je suis en train de me dire, OK, quelle est la nouvelle chose que je veux apprendre? Et là, ça fait longtemps que j'ai prépayé un coaching personnel avec Hardcore Business, puis finalement, bon, avec la maladie de Marco, je n'ai pas pu le faire. Cette année, je n'ai pas pu le faire non plus. L'année prochaine, je ne pourrai pas plus le faire parce que je vais toujours être en déplacement. Ça ne fonctionnera pas. Donc, je me dis, OK, ça, c'était mon développement personnel intense. Je vais le faire à travers des livres. Maintenant, quelle est la compétence? Ben là, savez-vous quoi? Je vais m'en aller vraiment dans la compétence du... je vais aller me former sur le marketing digital encore plus. Je veux juste faire des cours en ligne, des cours de 10 heures, par exemple, pour m'aider, moi, à apprendre quelque chose de nouveau et pour essayer d'allumer mon cerveau. Également, j'ai dans mes objectifs d'aller développer de nouvelles compétences au niveau encore plus des produits doTERRA. Donc, vraiment aller au niveau des ingrédients et je veux vraiment me spécialiser au niveau du MetaPower parce que je trouve que c'est carrément de la science-fiction ce qu'ils ont créé. Donc, je veux vraiment absorber chacun des ingrédients pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'on est en train de vendre, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc, qu'est-ce que vous pensez que vous pourriez développer comme nouvelle compétence? Ça peut être de l'anglais, ça peut être de l'espagnol, ça peut être Instagram. Dans mon cas, ça va être aussi Instagram. Dans le sens que je veux travailler mon branding sur Instagram, je veux essayer d'être moins gênée puis essayer de commencer peut-être à faire des lives là-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'en fais jamais parce que je suis vraiment, vraiment pas à l'aise. Je suis à l'aise à faire des vidéos avec vous, là, mais de me parler devant une caméra, je suis pas encore rendue là et je veux apprendre. Excellent. Donc, ma certification sur les huiles. Maîtrise Instagram. OK, donc Nathalie, comme moi, pour maîtriser Instagram, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour te rapprocher de cette nouvelle compétence-là? Est-ce que c'est de choisir une formation? Peut-être que oui, puis ça serait de la payer. Donc là, on s'approche. On est en train de faire quelque chose qui va m'approcher de mon objectif. Mon objectif, la compétence de MetaPower qui vient d'arriver en Europe. Parfait. Comment faire? Probablement que tu vas me dire, Jacqueline, je veux faire la formation MetaPower. Excellent, si c'est ça le cas. Donc, je veux mettre du temps dans mon horaire pour apprendre quelque chose. Donc, dans votre bloc, s'il vous plaît, mettez du temps. Très important pour apprendre quelque chose parce que sinon, on finit par s'emmerder. Alors, conclusion. Pour conclure, l'essentialisme est une façon plus simple de vivre qui se base sur plusieurs grands principes. Définissez ce qui est essentiel. Prenez le temps de vous interroger chaque jour sur ce qui est essentiel. Concentrez-vous sur le peu de choses vitales. Dites non plus souvent. Concentrez votre énergie sur une seule chose pour faire décoller vos résultats. Définissez vos routines en fonction de ce qui est essentiel et passez du temps à explorer. Ça vous va? Aimez-vous ça? J'ai pas fini. Il me reste 15 minutes. Donc, je pense que de parler de l'essentialisme, c'est aussi de respecter ses passions et de respecter ses propres engagements envers nous-mêmes. Ça peut être également transposé dans votre vie personnelle. Hein. Donc, tu sais, si pour vous, vous voulez augmenter la qualité de votre relation avec votre conjoint, ben, vous pouvez y aller aussi. Ça peut faire partie de vos priorités. De dire, ben, est-ce que ce que je suis en train de faire va augmenter la qualité de ma relation avec mon conjoint? Exemple, regarder une série Netflix. Ben oui, dans un sens, parce que je vais être collée avec mon conjoint, tatata. Mais est-ce qu'il y aurait une autre option? Ouais, on pourrait jouer aux cartes, ou on pourrait jouer au backgammon, ou on pourrait discuter, on pourrait aller marcher. Hein? Est-ce qu'il y aurait autre chose qui pourrait être un petit peu plus focussée, en fait, dirigée vers mon objectif d'améliorer avec mon conjoint? Donc, je pense que c'est important de le faire aussi avec vos enfants. De dire, est-ce que, tu sais, mes priorités de l'année qui étaient de vraiment créer un noyau familial super fort, de m'assurer de prendre du temps avec chacun des enfants de façon séparée, est-ce que ceci est en train de se faire? Donc, gardez vos priorités claires et à tous les jours, refaites le tour, est-ce que je suis alignée vers mes priorités? Si je veux être en santé, il y en a qui ont écrit tout à l'heure, je veux perdre du poids, bien, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai tout fait ce qui était possible ou à 85% possible pour rester dans mes priorités? Ou est-ce que si je dis juste n'importe quoi?
Donc, je pense que c'est important. C'est ce qu'on appelle être conscient. Puis je pense que ça demande un peu d'humilité de dire, ben non, je suis vraiment dans le champ parce que j'ai mangé du McDo ce matin, ce midi et du Burger King ce soir. Ou j'ai mangé du McDo ce matin, j'ai mangé de la pizza congelée tout à l'heure et j'ai mangé du pain avec du beurre pour souper. Même chose, sans pour s'en nommer sans nommer trop de restaurants, vous comprenez? Donc, il faut juste être vrai avec soi-même. Puis, je suis aussi en train de lire un autre livre qui s'appelle The Way to Integrity, qui est vraiment très intéressant, je vais dire quelque chose d'épouvantable, mais dans le fond, en fait, c'est d'être authentique avec qui on est, d'être authentique avec qui on est. En fait, d'être authentique commence par être authentique avec qui on est. Mais pour être authentique avec qui on est, je pense qu'il faut déterminer premièrement où est-ce qu'on veut aller puis quel genre de personne on veut devenir également. Puis je recopiais des notes ça n'a pas rapport avec l'essentialisme, pas du tout, mais des notes de Serge en fin de semaine qui il disait arrêtez de faire de la croissance personnelle parce que ou d'essayer de devenir la meilleure version de vous-même parce que ceci insinue que vous n'êtes pas déjà que vous n'êtes pas déjà exceptionnel. Et on l'est tous. On l'est tous. Donc, notre travail sur soi, c'est juste constant. C'est juste ça, la vie, en fait. Donc, arrêtons d'en faire un big deal. C'est ça, notre vie, c'est la raison pour laquelle on est là. Donc, voilà. Je continue. Attendez-moi une seconde pour définir nos objectifs. Ah oui, je m'étais pris une note aussi que j'avais trouvée aussi dans un autre blog. Ça dit « Définissez vos objectifs », donc ça a rapport aussi avec l'essentialisme. Et selon Gary Keller, qui est un autre auteur qui est très, très, très fameux, il dit « Vos objectifs doivent avoir quatre caractéristiques. Ils doivent être positifs, immédiats, concrets et spécifiques. » Donc, le positif, ça veut dire quelque chose qui vous passionne, qui vous inspire et vous motive. Parce que c'est ceux-là qui vous donnent le plus de chances d'avoir de la réussite. Quand vous faites ce qui vous passionne, vous n'avez aucun mal à vous investir à fond et à vous concentrer pendant des heures, n'est-ce pas? Hein? On est vraiment capable de faire ça. L'objectif immédiat est un objectif que vous pouvez faire maintenant et tout de suite. Trop souvent se focaliser sur nos objectifs de long terme. Hein? Comme je disais tantôt, on veut en septembre pour la convention marcher tel rang. Par contre, aujourd'hui, c'est quoi? L'objectif d'aujourd'hui, c'est quoi? Pourquoi? Parce que si on veut atteindre le plus gros domino, disons que j'ai des dominos là, qui font ça comme ça, pour être capable d'aller forcer le premier, si je le fais tomber sur le plus gros domino, il ne le fera pas tomber. Mais si je fais tomber le petit bébé domino versus l'autre bébé, puis j'en ai 100 en ligne, et à chaque fois, ça augmente de grosseur et de force. Mais évidemment que si je fais mon premier domino, le premier va faire tomber le deuxième, le troisième, jusqu'au plus gros. Mais si je ne fais pas ma première étape, je ne me rendrai jamais au plus grand domino. Donc, on doit faire nos objectifs aujourd'hui pour avoir le résultat de septembre, pour avoir le résultat de l'année prochaine. Et il faut savoir que ça va être un objectif à la fois qui va faire qu'on va se rendre vraiment à notre gros domino. Donc, Gary Keller, si vous avez envie d'avoir aussi la notion des dominos, qui est vraiment intéressante, je vous l'ai fait un peu vulgarisé, rapide, là, mais il y a vraiment un phénomène en action. Vous pouvez même le voir sur YouTube également. Il vous explique là, comment faire pour voir ces dominos-là. Donc, immédiat, ça veut dire maintenant, aujourd'hui, là. Objectif concret est un objectif que vous savez que vous avez atteint. Ce qui veut dire que vous êtes capable de faire « c'est bon, c'est concret, c'est concret ». C'est pas « je veux trouver du volume ». Non, non, non. Combien? Combien piquant? OK? Donc, vous allez pouvoir cocher et spécifique, c'est que ce n'est pas ambigu, c'est que c'est clair. Hein? Donc, c'est un objectif que vous pourriez montrer à un proche. Puis il y aurait la même interprétation que vous. Donc, je veux faire mon bonus de 250 $ le 30 mai. Ça peut être assez clair? C'est super clair. Donc, ça fait partie aussi des trucs que j'avais envie de vous partager. Maintenant, le mythe, pour terminer, le mythe du multitâche. On parle de priorité, on parle de l'essentialisme. Le multitâche est un mythe. Ça n'existe pas, j'en ai déjà parlé. Robin Sharma en parle également. Le multitasking is shit.
ça marche pas. OK, puis on le fait beaucoup trop, moi inclus, parce que notre cerveau, il n'est pas capable de se concentrer sur plein de tâches en même temps. OK, on a l'illusion qu'on travaille sur plein de choses, mais en réalité, on fait une chose un petit peu. Mais après ça, le temps de focus, de revenir dans notre flow, dans ce qu'on est en train de faire, dans cette énergie-là, va être excessivement énergivore au niveau de notre cerveau. Donc, on perd du temps. On perd du temps au lieu de s'investir pleinement dans une seule chose. Quitte à le faire, et j'ai essayé de cette technique-là cette semaine avec mes enfants, ma fille qui est complètement là, découragée là, dès qu'elle commence sa journée à l'école. Hey, hein? Là, moi, je suis là, avec mes blocs de temps, puis j'essaie d'être la mieux organisée pour leur donner de l'exemple, mais non. Et donc, j'ai dit, regarde, on va se mettre des chronomètres de 15 minutes. Et alors, je lui mets carrément sur mon téléphone, je mets un chronomètre de 15 minutes. Tu fais ça pendant 15 minutes, après, tu prends une pause de 10 minutes. 15 minutes, pause de 10 minutes. Donc, beaucoup plus facile, l'objectif est plus rapide, mais elle se focus strictement sur une tâche, 15 minutes sans distraction. Avec 15 minutes, tout le monde est capable. C'est une technique utile pour les TDAH. Ah oui, OK. Merci Nathalie. Ben oui, ben j'imagine que tous mes enfants le sont. Parce que... Ouf! J'avais aussi dans un autre blog, j'avais trouvé quatre choses qui vous empêchent d'être efficace. Il y a quatre pièges, en fait. C'est un, de ne pas savoir dire non. Hein, comme on l'a dit tout à l'heure, la peur du chaos, donc du chaos, excusez-moi. Quand vous vous concentrez sur la chose la plus importante, vous ne vous concentrez pas sur le reste. Conséquence, vous mettez plus de temps à répondre à vos emails, certains projets sont mis de côté, vous avez plus d'appels en absence. C'est un peu le chaos. Ne voyez pas cela comme un problème, acceptez-le même. Dites-vous que c'est le prix à payer pour prendre de la vitesse. Hein? Donc, on a peur du chaos dans le sens qu'on ne répond pas à tout, on ne répond pas aux emails. Mais en réalité, quand vous allez prendre vos messages, s'il y en a 10 messages, bien, vous allez être vraiment plus efficace. Moi, depuis que je ne prends plus mes emails et que je n'ai plus aucune notification de courriel, je prends mes courriels quand j'ouvre mon ordinateur. Je ne travaille pas en urgence nationale. S'il y a quelqu'un qui a besoin de m'appeler en urgence nationale, ils ont mon numéro de téléphone et c'est sur WhatsApp. WhatsApp, j'ai des notifications parce que c'est là où est-ce que je vais tout gérer mes trucs. Par contre, mes courriels qui sont énergivores à fond, là, chronophages, comme dirait tantôt Isabelle, je ne peux pas les ouvrir. Je ne peux pas les avoir parce que c'est là où est-ce que je perds mon temps. Par contre, quand j'ouvre mon ordi, je le fais pendant 2 heures de temps, c'est ma session courriel. Je le fais 2 fois par semaine, je nettoie et je réponds aux besoins. Donc, si possible, vous êtes capable peut-être de faire un auto-response. Vous pouvez faire un auto-response, c'est quoi en français? Une réponse automatique. Excusez, là, voyons, c'était pas compliqué. Même chose pour votre téléphone. Donc, une réponse automatique sur votre téléphone ou votre messagerie vocale. Bonjour, je prends mes messages les lundis, les mercredis et les vendredis à midi. Qu'est-ce que vous faites quand vous appelez la caisse pour avoir votre hypothèque? Est-ce qu'ils vous répondent automatiquement? Oui, la fille de la réception, mais la fille de l'hypothèque, là, est en rencontre client. Elle ne vous répond pas. Est-ce que vous survivez à ça? Bien, vous survivez à 100%. Donc, faites comme ça. Vous répondez selon les horaires que vous aurez choisis, tout simplement. Ne pas prendre soin de votre santé est un gros piège, hein, à être efficace parce que si on boit trop, si on ne fait pas attention à nous, bien, malheureusement, il y aura des effets secondaires néfastes de votre... Parce que vous allez... En fait, c'est que vous vous empêchez d'être à votre maximum. Ce qui fait absolument pas de sens, c'est de s'auto-saboter quand on prend pas soin de nous. Choisir le mauvais environnement est aussi un piège. Donc, bien sûr, il faut choisir faut être entouré de gens qui nous encouragent. Si vous avez des gens qui sont énergivores, qui sont vampiriques ou qui sont vraiment négatives ou que vous êtes avec eux mais vous ne vous sentez pas bien, dites-moi, ça ne m'amène absolument rien de positif. Alors, nettoyez votre environnement. Ça fait tellement du bien. Moi, je suis chanceuse, j'ai plus personne comme ça. Alors, ce livre-là, en passant, c'était « The One Thing » de Gary Keller. Donc, je ne sais pas c'est quoi en français, mais « The One Thing ». Je vais vous le mettre également dans les commentaires. Poup, poup, là, ici.
Alors, ça disait, bon, pour la conclusion, en fait, je viens de vous sauver de lire deux livres. Pour être efficace, vous devez définir des objectifs positifs, immédiats, concrets et spécifiques. Chaque jour, alignez vos tâches en vous demandant quelle est la seule chose que je peux faire de telle sorte qu'en faisant tout le reste sera plus simple, voire inutile. Bloquez du temps pour les choses essentielles, c'est-à-dire les tâches les plus importantes. Ne cédez pas aux multitâches et dites non plus souvent, acceptez le chaos dans votre vie. Le chaos dans votre vie. Prenez soin de votre santé. Choisissez un environnement qui vous propulse vers vos objectifs. Alors voilà, ceci était... non, supprimer ceci. Ceci était mon appel sur l'essentialisme. 57 minutes. Wow! Quel beau timing. J'aimerais savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous gardez ou qu'est-ce que vous avez appris ou le... Ben, si vous avez appris quelque chose, premièrement, est-ce qu'il y a quelque chose qui a résonné en vous avec cet appel-là? Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce qu'il y a des ha-ha? Est-ce qu'il y a « ouais, OK, c'est bon, là, ça, c'est plus clair, ta-ta-ta ». L'objectif essentiel, de le mettre sur un bout de papier, de le mettre dans votre sacoche. Autant moi, au début, ce que je faisais, c'est que je mettais mon rang. Je suis tel rang, telle date. Et là, tout ce que je faisais, tout ce que je voyais, c'était ça. Donc, tout était aussi bon pour la visualisation. Garder focus, redéfinir un objectif clairement. Oui, parce que des fois, on tombe dans la grande vision, puis on se perd d'un mois à un autre. Savez-vous quoi? Il faut vraiment... le best, c'est vraiment d'avoir un objectif à tous les mois, tout le temps. C'est pour ça que je dis toujours, faites votre feuille de mois, votre feuille de travail, et assurez-vous de faire votre évaluation de mi-mois également. Ça va toujours vous recadrer vers votre objectif. Vous êtes les seuls responsables de votre succès, hein? Les seuls. C'est vous qui faites les actions. C'est vous qui mettez votre énergie aussi, le positivisme, la visualisation de tout ce que vous voulez faire également. Objectif clair. Plein de takeaways. Le plus important de prioriser est très clair sur mes objectifs pour ne pas diluer mon focus. Bloc de temps. Arrêtez d'être une multitâche, d'avoir l'impression de rien faire. Exactement. Puis peut-être si dans votre téléphone, vous pourriez mettre un timer de gestion de temps. Là, si vous avez un Apple, moi, je suis nouvelle avec les Apple téléphone, mais ça dit comment... Il y a comme pas une application, mais il y a une façon de gérer votre temps là-dessus. Sinon, si vous n'êtes pas très techno, regardez le temps passé sur votre écran. Ça, c'est sûr que tous vos téléphones, vous pouvez l'avoir. Et de préférence, vous avez la capacité de laisser votre téléphone, qui est le pire voleur de temps ever, c'est de laisser votre téléphone dans un autre endroit lorsque vous travaillez. Donc, c'est vraiment mon plus grand conseil. Si je veux être focus, même avec mes enfants, sans avoir envie de regarder mon téléphone, si je vais au parc, je laisse mon téléphone dans la maison. Oui, je ne prends pas de photos. Je ne peux pas prendre de photos. Mais savez-vous quoi? Au moins, je n'ai pas envie de regarder mes messages. Puis je suis présente avec eux. Donc, c'est des trucs que j'ai parce que, ben oui, des fois, je regarde mes messages quand mes enfants sont au parc. Parce que, bon, ça donne dans mes heures de travail, en voyage. Mais si je me dis non, ça, c'est mon temps famille, ben c'est mon temps famille. C'est de 4 à 6, c'est mon temps famille, c'est tout. C'est fini là, puis c'est tout. Les gens attendront. On ne travaille pas en urgence nationale. Alors voilà, puis l'idée du sablier est extraordinaire. Oui, absolument. Faire ta liste de tout doux dans le ciel au lieu de papier partout. Oui, vraiment, là, sérieusement, le téléphone, là, hey, on a tout ce qu'il faut là, pour faire ta liste de tout doux. Ils peuvent être synchronisés ensemble. C'est vraiment génial. Donc, tu sais, on est en 2023, on a de la technologie. Je ne suis pas super bonne en technologie, mais au moins travailler avec ce qu'on peut avoir. Alors voilà, oui, téléphone, laissez ça aller, c'est sûr que ça va vous rapprocher vers vos objectifs. J'espère que cet appel aura été aidant, que vous allez être capable de vous concentrer à partir d'aujourd'hui sur vos objectifs prioritaires, qui sont ceux-là toujours à chaque mois. Vous voyez toujours un objectif par mois, un objectif par semaine et un objectif par jour. Qui va me rapprocher, hein, mon gros domino, qui va me rapprocher à mon gros domino qui va être d'être Diamond, Presidential Diamond. Ça marche? Allez, bonne soirée, bonne journée à tout le monde. Merci d'avoir été là. Bye bye.